Another day, another leak of embarrassing documents. 2008, le scandale UBS. 2013, Offshore Leaks. 2014, LuxLeaks. 2015, SwissLeaks. Football Leaks et le scandale HSBC. 2016, les Panama Papers et les Bahamas Leaks. 2017, les Massita Files. Et à présent, les Paradise Papers. The UK and its related offshore territories are offering their sovereignty to dirty money of the world with zero tax rates. It's easy to play the good guy when you have so many post-colonial territories to do the dirty work at your bidding. Avoiding civilized rules on tax was always part of the Brexit agenda, but any attempt to turn Britain into the Bermuda of the North is likely to flounder. And now, in the proceedings of Brexit, we have the chance to tell the UK very clearly, if you want to get good business on with us, change this stealing of taxpayers' money. Je tiens à leur adresser ici une mise en garde, car l'évasion fiscale ne fait pas que creuser les inégalités et mettre à mal nos services publics, elle met gravement en cause nos démocraties, car la confiance sur laquelle reposent nos sociétés s'effrite chaque jour davantage du fait de votre refus d'agir. Elle finira tôt ou tard par voler en éclats, à moins bien sûr, et je conclue Madame la Présidente, que vous ne trouviez le courage, messieurs les ministres des Finances, d'abandonner vos croyances toxiques. C'est ce que l'écrasante majorité de nos citoyens vous demande. Merci.